Bonjour, je suis Luciane, ravie de vous présenter le premier numéro de New Prosport. T'es arrivé premier au cross du collège. Tout d'abord, qu'est-ce que ça fait de gagner, d'être le numéro 1? Bah, ça me fait bizarre, j'étais stressée dès que je suis partie dans le podium. Bah, voilà, c'est tout. J'avais le stress. T'étais stressée? Oui. Et c'était quoi ta stratégie pour justement gagner ce cross? Moi, c'était qu'au début, j'ai dépassé tout le monde. Et après, les gens qui prenaient leur place, moi, ce que je faisais, c'est que je courais, je ralentissais, mais j'allais un petit peu plus vite. Je le dépassais. Après, s'il essayait de me dépasser, j'allais un petit peu plus vite. Je faisais la même chose à chaque fois. D'accord. Bah, en étant arrivé le premier, les sixièmes, est-ce que tu penses que tu vas participer au cross du district? Je vais réfléchir, j'en suis pas sûre. Voilà. Bah, merci de nous avoir accordé cette interview et bonne chance pour l'année prochaine. Merci. Comme tu es arrivé en premier du cross, des cinquièmes et je pense premier de tout, c'est quoi ta sensation quand tu as dépassé la ligne d'arrivée? Bah, j'étais content, j'étais fatiguée, je voulais arriver le premier, je suis arrivée. Bonjour Anya. Bonjour. Donc tu as gagné le cross, qu'est-ce que ça fait d'être arrivée première? Bah, je suis contente. C'était quoi ta stratégie pour justement arriver première? Bah, accélérer au début et après mettre un bon rythme pour de l'avance. Bonjour Alice. Bonjour. Tu as gagné le cross du collège. Ça fait quoi d'être arrivé première? Bizarre. Bizarre. C'était quoi ta stratégie pour justement arriver première? De courir normalement. Normalement. Et est-ce que tu penses que tu vas participer au cross du district? Je sais pas. Bon, bah merci. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait de gagner la course? Ben, c'est bien, en plus c'est la première fois que j'arrive première pendant mon année de collège. Et ben, c'est la dernière fois et le meilleur pour la fin, quoi. Quelle était la stratégie? Ben, j'avais pas beaucoup de stratégie, c'était de courir à une allure régulière et voilà. Est-ce que tu penses aller au cross du district? Oui, comme je l'ai fait dans les années précédentes. Merci. Bonjour. Quelle sensation ça fait de gagner le cross pour la troisième? Bah, je suis contente parce que ça fait déjà 3 années que je suis arrivée première et je suis encore plus contente puisque je suis première des 4e et 3e. Donc, voilà. Quelle était la stratégie? En fait, j'avais pas trop de stratégie. Au début, je courais vite et après, je voyais des personnes qui couraient encore plus vite que moi et je savais qu'ils vont ralentir, surtout dans les pentes. Après, j'essayais de passer. Et est-ce que tu penses aller au cross du district? Ouais, je vais partir parce que toutes les années je suis partie. Merci. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait de gagner le cross? Je suis content. Je veux que ça continue toutes les années comme ça. Quelle était la stratégie? Ma stratégie au début c'était le premier, le premier départ. Après j'essayais de suivre le premier comme ça. Qu'est-ce que ça fait de gagner le cross? En fait, franchement, je suis content, surtout qu'en fait, je ne m'attendais pas. En fait, je n'étais pas censé pouvoir le premier. Quelle était la stratégie? J'avais pas de stratégie, seulement m'entraîner pour arriver à premier. Et est-ce que tu penses à le premier? Je réfléchis, je sais pas. Après toutes ces réactions, il est temps de rendre l'antenne. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour le prochain numéro.